installé, j'avais mis en place ce système quand j'étais meilleur de là-haut. J'avais encore la façon de la sécurité à l'époque, directeur, je crois, du CFPD. Nous avions avec les CFA recruté 10 jeunes dans la commune et 15 jeunes dans la commune et 10 au CCS, ce qui nous même 7. Car c'est une idée qui me trottait dans la tête pour permettre à les jeunes de pouvoir faire leur formation. Et il y avait cité la plupart des communes en font autant. Alors, dans deux communes, si chaque commune en fonction de leur possibilité pouvait prendre même 5, je pense que c'est beaucoup de jeunes qui auraient pu trouver un contrat d'apprentissage. J'ai été effondré. Je n'ai pas l'habitude de dire aux jeunes, mais je le dis. L'un des conférenciers a lancé la course à l'emploi, beaucoup de manifestations en direction des jeunes à Charlie, au Galabou, de Rendou, dans le parking, où les jeunes partaient en direction des entreprises que nous avions identifiées pour trouver des emplois. Nous avions même à l'époque un service économique à Charlie. Et j'ai pensé pour M. Régis Zébus, avec qui nous avons fait effectivement beaucoup de bonnes choses, c'était le directeur des services économiques. Nous avons un service d'aide à l'accompagnement des jeunes pour pouvoir trouver les contrats d'alternance. À l'époque, on disait contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Et beaucoup de jeunes ont pu faire leur chemin grâce à ces dispositifs que j'ai mis en place avec l'équipe municipale que je dirigeais. Nous l'avons décidé, nous avons quand même 3 ans avec cette décision, mais vous pouvez avoir la telle chose. Aujourd'hui, avec les différents partenaires, nous essayons de trouver des solutions pour accompagner les jeunes dans le pays. Je comprends, c'est vrai que vous avez besoin de ce dispositif. J'ai même rencontré à l'époque, quand j'étais parlementaire, un ministre, comme je lui avais dit, ce que les jeunes ont besoin, c'est de pouvoir faire leur formation. C'est difficile pour l'entreprise parce qu'il faut mettre un tuteur à disposition, il faut, je crois que c'est 2 semaines en stage, 2 semaines d'entreprise, il faut en même temps payer une petite participation jeune, et ça bloque surtout quand les entreprises n'ont pas de travail. Aujourd'hui, c'est plus de 510 candidatures, je le dis, 510 candidatures que nous avons reçues. 510, c'est énorme. 162 présélections ont été réalisées par téléphone. Ensuite, il y a eu 82 entretiens téléphoniques pour recruter une trentaine de jeunes. Là, c'est le premier en 24-26. Et il y aura 4 autres qui seront retenus, je crois, en matière audiovisuelle dans quelques temps. Alors, je tiens à féliciter ce travail réalisé par les ressources humaines, le service de M. Darmé, Mme Juste, des personnes qui se sont données pour pouvoir vous présélectionner. Sachez bien qu'à aucun moment je ne me suis interférée à la main qui vient de passer. La seule chose, on